Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes waves. C'est simple, rapide, il n'y a pas à se prendre la tête. Mais juste avant, je t'invite à t'abonner parce que vous aimez bien regarder sans vous abonner. Donc abonne-toi. Donc dans un premier temps, il faut savoir que mes cheveux, ils sont défrisés. Je les ai défrisés avec la boîte de défrisant Olive Oil. Donc voilà, c'est cette boîte-là. Donc je vous recommande d'avoir les cheveux défrisés parce que si vous avez les cheveux naturels, ça va être très compliqué à peigner et tout. La mousse, elle va pas bien adhérer. Donc le mieux, c'est d'avoir des cheveux courts et défrisés. Voilà la mousse que j'utilise d'habitude, mais j'en avais plus. Donc j'ai acheté une nouvelle mousse qui vient de chez Motion. On va la tester, on va voir ce que ça donne. Mais vous pouvez aussi utiliser celle de Olive Oil. On aura aussi besoin de Edge Control et d'une petite brosse. Donc je commence par appliquer un peu de mousse sur mes cheveux. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais en rajouter si besoin. Voilà, j'en applique un peu partout. Donc là, je vais venir tracer une raie. Donc vous la placez où vous voulez, hein, côté gauche, côté droit. C'est comme vous le sentez. Moi, j'avoue que je préfère le côté droit parce que c'est là où il y a mes piercings. Et oui, la stratégie, les gars. Si vous me voyez discuter en même temps dans la vidéo, c'est parce que je parlais avec ma copine qui était en bas. Ah oui, c'est important d'avoir un peigne à queue, parce que sinon, je ne sais pas comment vous allez peigner et faire pénétrer le produit dans vos cheveux avec un peigne avec des grosses dents. Voilà, très important de séparer les cheveux parce que moi, je vais faire que devant, donc je ne sais pas au niveau de mon oreille. On veut une raie bien, bien recourbée là, qui épouse la forme de ton visage. Voilà, comme je vous ai dit précédemment, je rajoute de la mousse si besoin. Quand je sens que c'est trop sec ou quand je sens que mes cheveux ils sont pas assez imbibés, je rajoute de la mousse. Il faut savoir que plus vous avez de la mousse sur vos cheveux, plus vos cheveux ils seront malléables. Donc vous allez pouvoir les moduler comme vous voulez, les dessiner comme vous souhaitez. Donc pour le dessin, vous allez voir qu'il y a une technique que je vais utiliser. Après, il y a d'autres techniques. Mais moi, en tout cas, ma technique apparemment, c'est une technique en C. Donc vous faites d'abord une vague vers l'avant. Vous maintenez cette vague et ensuite vous revenez vers l'arrière. Et moi, vu que j'ai les cheveux longs, eh ben, je vais peigner en dehors de mon crâne et ensuite abaisser mes cheveux. Là, je ramène vers l'avant, petit à petit. C'est vraiment long de faire des waves, surtout quand on est débutant. Là, moi, j'ai dû prendre une bonne trentaine de minutes pour les faire. Et encore, j'ai fait que le devant, donc imaginez avec le derrière. Pour les waves, vous pouvez faire autant que vous en voulez. Hein. Si vous voulez faire plusieurs va-et-vient, faites-le. Mais après, voilà, si vous en faites beaucoup, ça va prendre du temps, c'est sûr. Donc là, je commence à ramener mes cheveux vers l'avant parce que je vais commencer ma wave vers l'avant, pas vers l'arrière. Donc je les ramène vers l'avant pour faciliter. Et comme je vous ai dit précédemment, je peigne mes cheveux en dehors de mon crâne pour qu'ils puissent être plus malléables et que je galère pas vu que mes cheveux ils sont longs. Ben, c'est compliqué quoi, c'est dur. Pour les waves, il faut savoir que ça fait mal au bras un peu de les faire. Donc n'hésitez pas à passer un coup de got to be lorsque vous avez fini une wave. Comme ça, vous avez juste à aplatir avec votre doigt et limite rajouter un peu de mousse si vous voyez que c'est un peu trop sec ou si vous voyez que c'est un peu bougé ou quelque chose comme ça. Mais voilà, les waves, c'est un peu long, surtout quand on est débutant. N'hésitez pas à mettre un peu de got to be spray pour fixer le tout lorsque vous avez fini une wave. Donc comme vous pouvez le voir, il faut bien bien prendre le temps de peigner en avant. Ensuite de venir fixer avec le doigt et ensuite de peigner en arrière à partir du doigt, de venir fixer avec le doigt encore et de peigner en avant. C'est beaucoup de mouvements, mais après le résultat, il est genre vraiment top, surtout quand vous avez les cheveux défrisés. Encore une fois, j'insiste, défrisez-vous les cheveux bien, bien, bien. Comme ça, vous allez voir que vos cheveux, ils seront nickel chrome. Mais je vous assure que c'est un résultat genre comme les Américaines.
Je suis vraiment désolée si je regarde un peu en haut parce que j'avais mis mon trépied juste en face du miroir. Là, vous pouvez apercevoir qu'il y a un petit pic derrière mon oreille. C'est mes cheveux. C'est mes cheveux qui sont longs. Et du coup, derrière, comme je vous ai dit, je ne vais pas venir faire de wave parce que j'ai pas le temps. Et en plus, c'est dur, c'est vraiment compliqué. Je vais essayer de faire un truc, mais... Donc, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais du petit pic? Je vais venir rajouter de la mousse encore. Vous laissez reposer votre tête 1 ou 2 heures minimum. Et si vous avez un sèche-cheveux, passez votre sèche-cheveux pendant au moins 45 minutes et vous allez voir que vos cheveux sont prêts. Donc, je suis partie vérifier et j'ai vu que derrière, c'était pas top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un peu de mousse pour que voilà, ce soit plus plaqué, quoi. Mais en temps normal, voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, le mieux quand vous faites des waves, c'est d'avoir des cheveux courts, plus courts que les miens. Ça évite qu'il y ait des pics ou ça évite qu'il y ait des bosses. Donc là, on va re-enlever. Et voilà le résultat. Par contre, là, j'aime pas trop. C'est pas comme on veut que ce soit slick. Vraiment en face, derrière à la limite, c'est pas grave, mais devant on veut que ce soit nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de gel pour arranger tout ça. Donc voilà. Alors, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. J'avais reçu pas mal de messages, donc ça m'a boosté pour le faire cette semaine. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager pour mettre au courant d'autres personnes qui peut-être ont envie de dissimuler les choses, peut-être ont envie des finesses. Et en fait, tu fais des gros bisous.